Salut les geeks, je suis dans le centre commercial du Saramonte. Comme vous pouvez le voir, c'est gigantesque. Il y en a partout. Et aussi, le ciel n'est plus bleu. Il n'y a plus de soleil. Fini San Mateo et bienvenue dans San Francisco. En fait, on est juste à quelques kilomètres plus au nord. Mais comme vous pouvez le voir, déjà le temps change. Ici, c'est brouillard et grisaille à longueur de journée, à longueur d'année. C'est pas grave, c'est toujours la Californie, c'est toujours le pays où je vis. Et puis je vais donc vous emmener maintenant en visite caméra cachée, comme d'habitude, dans le centre Saramonte. A tout de suite. Allez, je vais vous emmener en caméra cachée dans le centre commercial de Saramonte. On y va. There was a Bride of Chucky. That was a movie. Where is the Chucky? I don't even see it. Chucky is Tiffany. Oh. It is. I don't like the. How pain. You doing? Good. How are you? Good. Good. Any questions? Just ask. Okay. Have thank you. Seen any of the Mummy movies? I saw the first one. I've seen all of them except the new one. Yeah, the first one was awesome. Yeah. Oh, look at the cute Kyle from Despicable Me. On the glass, sorry. I think my favorite's of Mr. Robot, the Darlene from Mr. Robot. She's awesome. Alors, Classic Materials, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. C'est un magasin en fait qui jadis était spécialisé dans les trading cards, les cartes à échanger pour le baseball et puis tout ce qui est sport en général. Et en fait avec eBay et puis Internet, ou Internet et eBay, ils ont dû changer un peu de leur fusil d'épaule. Et ils sont passés donc de trading cards uniquement à, et puis sport uniquement, à tout ce qui est collectible, tout ce que les gens collectionnent. Et bon, visiblement, en tout cas dans ce magasin, c'était surtout des Funko Pop, les petites figurines, comme vous pouvez le voir, j'en ai un paquet, mais je ne les ai pas achetées là-bas. Et ils avaient aussi quelques comics, beaucoup de trucs signés, enfin autographiés, par différents athlètes, artistes, etc. Donc je ne connaissais pas, c'était une découverte intéressante. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis à très bientôt pour d'autres vidéos sur les secrets de Saramonte. Ciao, ciao.